Ok, parlez à Bruce. On va te parler. Je sais pas s'il y a un délire de modificateur ou pas, mais... Oh, vraiment là. Obligé d'y aller, quoi. Il y a un ordre de priorité, c'est terrible. Vous revoilà, docteur Banner. Je suis désolé, Hunter. Qu'est-ce que tu dois penser de moi? Mais me revoilà. On doit pouvoir compter sur vous. Ça fait plaisir que vous soyez de retour. On se demande si vous n'avez rien. Et on est ravis de vous revoir parmi nous, docteur. On commençait à Ça fait s'inquiéter. méchant, genre en mode C'est on doit gentil, pouvoir mais compter sur tout vous à va n'importe bien. quel moment, tu vois. Je S'il y peux a pas des en dire problèmes, il y a des autant de notre problèmes. système de communication. J'ai été coupé par un pic de rayon gamma qui a déchiré le spectre électromagnétique. Il ne fait pas bon être une tour téléphonique à Manhattan de nos jours. Mais ne t'inquiète pas, j'ai résolu le problème. Il n'y aura plus de coupure de courant, c'est promis. Je suis plus inquiet des effets secondaires que ces rayons gamma pourraient avoir causés. C'est pour ça que j'aimerais te soumettre à un scan corporel pour voir si les variations énergétiques ont altéré ton organisme. Ah, c'est pour ça que j'aimerais te soumettre à un scan corporel pour voir si tes variations énergétiques ont été altérées ton organisme. Si je peux me rendre utile, là, si c'est ma mère, pas moi. Si vous pensez que cela peut vous aider dans Elle vos est aigrie, par recherches. contre. Ça m'aiderait beaucoup, en effet. Avec un peu de chance, je trouverai un moyen de neutraliser les variations de gamma. Ne bouge surtout pas. Ça n'est pas douloureux. Ah, il me fait des tests à distance. J'ai Et un fou voilà, quand même. c'est Bordel. terminé. Il ne me reste plus qu'à analyser le scan et le tour est joué. Merci, Hunter. Pour le moment, j'ai tendance à choisir de me concentrer sur la relation entre les personnes, mais je me demande si c'est Brain. Alors, cela sert à débloquer les passifs colliers pour Hunter, donc soit en lumière, soit en télé. Il y a des sorts aussi et la tenue ombre ou lumière. Moi, par exemple, je joue full lumière. La magie s'est fait rapidement seule. J'ai déjà plein de persos, Michi 3, 4 et Nico, Max, alors que je ne choisis que les jogs, lumière, loupe et collier et massif de Hunter, du coup. Passif d'Hunter, par exemple, passif, si tu joues 3 cartes lumineuses, tu obtiens 2 cartes. Ou si tu joues une carte lumineuse, ténèbres et puissance, tu obtiens hâte. Ou encore, commence le combat avec résistance, etc. Perso, je trouve cela mal foutu leur système car gagner uniquement puissance, lumière ou ténèbres après avoir fait un combat alors que j'ai utilisé au moins 6 cartes ténèbres, c'est chiant. Pour avoir des passifs, le collier ou la tenue de lumière, le ténèbre pour inventer ses fous lumières dans un premier parti, j'ai pas trouvé ça ouf. Partir flotter un bruit, j'embrasse le côté obscur ou se tromper de licence. Ouais, bon. J'ai capté le délire en fait, côté lumière T2, mais. En fait, j'ai pas l'impression qu'il y a un big changement, tu vois. Genre, dès le début, à partir du moment où. Je suis arrivé, tu vois, j'ai dépassé le premier seuil. Bam, ils auraient dû faire un truc significatif de ouf. Parce que là, je l'ai dépassé. À part me dire qu'en dessous de ma carte, j'ai une technique. Voilà, mais apparemment, il y a du stuff. Je sais pas où le stuff se placera. Je sais pas où il se... Peut-être c'est là. Hein. Mais après, tout ce que j'ai vu là, c'est du... C'est quoi... Ah non, c'est vrai, il y a des passifs. J'avais oublié. Oh, c'était en noir, l'objet. Alors, se recoucher. Ah, c'était la nuit, là? Ah ouais, ok, je me suis... Ah, c'est pour ça, je pouvais pas, je me suis réveillé en pleine nuit. D'accord. Je n'avais pas capté. Il est quoi? Il est 20h53. Blessure guérie. Je pense qu'elle a guéri, mais elle a guéri, hein. Message privé, Super Link. Est-ce que quand j'améliore la chambre, ça coûte de l'argent ou pas du tout? Même pas! Ça coûte pas si cher. Personnaliser la chambre. Ah ouais, vas-y, on va acheter des trucs. C'est des éclats, je sais pas à quoi ça sert, mais on va en acheter un. Ah, c'est bon.
Attends, il va vraiment faire une cinématique pour chaque truc là. Cadre de table de chevet, flemme, table de chevet. Ah putain, il écrit amélioration, mais ça n'a rien à voir. Étagère, quartier du Hunter, amélioration terminée. Ouellement, ça sert vraiment à quelque chose, why not, mais... Merde, j'ai vraiment pris un lit pour chien. Lit douillet que j'en ai à foutre, il dort sur la paille et puis c'est tout. Cadre muraux, on s'en fout. Secrétaire. Secrétaire, c'est pas mal, hein. Oh, ça fait trop... Oh. Tapis A, tapis B. Miroir, tapis A. Ça d'avoir un tapis à l'entrée, on s'en bat les. Cadre table basse. Côté confortable, cadre, cadre. Tout ça me rend parano. Putain, je l'ai en tête, sa mère. Me rend parano, tout ça. Cadre de desserte. Je peux avoir des rideaux et tout. Tout ça me rend parano. En gros, au fur et à mesure, je vais acheter tout ce qu'il y a dedans. De toute façon, je m'en bats les couilles un peu. C'est juste des priorités. C'est de la bouffe. On dort avec de la bouffe à côté de nous. Ah, vas-y, on va mettre un tapis ici. On voit pas l'utilité, mais on va mettre un tapis. En plus, ça se voit que c'est un vieux gars qui l'a mis le tapis, frère. Mec, le tapis, il est tellement mal mis, il y a un pli, genre, au sol. C'est abusé. Non, ça, je lâche. Du coup, j'ai débloqué des trucs. Vous pouvez dépenser des éclats pour améliorer les quartiers de Hunter. Merde. C'est pas ce que je voulais faire. Personnaliser. J'ai une nouvelle tenue. Pas du tout. Je sais pas si je change ma coupe de cheveux. Bon, ça coûte de la thune. Bon, on va changer pour ça. Genre, je sais pas si vous voyez, genre, deux plis là, ici, là. Horrible. Et le pire, c'est qu'il en a mis un deuxième. Ça se voit, c'est genre du copier-coller en termes de tapis. Ils ont juste changé la déco. Message privé, super link. Ok, bon. C'est pas la même personne qui me parle, donc je vais pour les. Je pense à vous et je. Waouh! Hey, je pense à vous et je me suis dit que j'allais vous envoyer un message. J'aime bien jouer aux cartes et je cherche un adversaire digne de ce nom. Ça vous tente? Je veux bien jouer avec vous. Aha, oh, ça m'a TP, d'accord, wow. Encore une victoire de Hunter. Bon sang! Pour toi, Carole, j'ai du temps à perdre. Et cette paire de dames. J'ignorais que vous saviez aussi bien jouer au poker. Je vous respecte encore plus maintenant. Vous me respectez, vous me sous-estimez, ce n'est qu'une chance du débutant. Ah oui, vous me respectez? C'est ce que je viens de dire, en effet. Vous avez beau être un démon, j'arrive pas à vous détester. Même si vous me ridiculisez au poker. C'est vrai, vous ne me détestez pas? Ne vous emballez pas trop non plus. Je n'ai pas dit que je vous appréciais, mais vous avez du talent. Wow! Notre partie alors? Je suis partante. Attends, elle me détestait de base, connasse. Je sais pas à quoi ça sert l'amitié. Ah bah. Combo héroïque, capacité d'équipe débloquée. Infliger des dégâts constamment à une cible, usage unique. Ouais, c'est un combo que je fais moi. Plus Hunter que juste en amitié avec différents héros, plus le niveau d'amitié global de l'équipe de l'abbaye augmente. Cela vous permet de remporter des puissantes récompenses telles que des combos héroïques que vous pourrez utiliser en combat ou bien plus encore. Putain, il y a un message de l'autre chiante là. Elle, je vais la recale. Hein. Je peux organiser ça pour notre prochaine soirée de livres. Non! Hunter, Peter a fini d'installer toutes les décorations. Il ne te reste plus qu'à en parler à Kater. À Karteka. Elle a passé des siècles à apprendre à préparer le gâteau parfait. Elle aura sûrement un coquetin, un truc à lui faire plaisir. Karteka, je pourrais lui parler. Alors, repensez votre amitié avec Magic.
Il me reste 3 jours, c'est dur, wesh. Magic aussi, va rien foutre. Wesh. Bon, vas-y, on va y aller. Konnichiwa. Oh la blague, ils ont mis Konnichiwa, c'est ça. Hop, non, moi j'ai gagné dans la grotte démoniaque de Denis. Je suis Qu'est-ce que tu en dis? Provocation pour un pile. Eh, la Ménère va provoquer. En fait, si t'as du shield, vas-y, provocation, c'est bénef. Mais si t'en as pas, t'es baisé. Genre. Oh, y'a ça. Tout ce que j'ai, c'est binaire propulsion. J'ai peur de pouvoir qu'on puisse améliorer qu'une seule fois les attaques. Si on peut l'améliorer qu'une seule fois, je suis un peu dans la merde, moi. Échange de plan. Ok. Création de capacité. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, Hunter? Merde. C'est quoi un plan épique encore? Je vais le toucher. Création de capacité. La forge est un outil très précieux. L. Bien. Un alors, rare. Tu t'y connais en métallurgie? Tu devrais peut-être enfiler ton costume avant de commencer. Et tu crois que je l'ai eu comment, le costume, Doc? Ah non, ok, d'un processus de fabrication. En fait, les plantes te permettent de faire des techniques. Bon, en fait, quand je gagne des plantes, non, on les garder. Genre, mais j'ai forgé le tout premier. Ouais, j'étais en mode. Bah, vas-y, je vais créer un plan, je vais les niquer tous, quoi. Schéma d'objet de combat, confère vol de vie. Ok, c'est parti, docteur la terreur. C'est incroyable. Chercher deux cartes, c'est inutile. Ça devrait être utile. Ça me saoule que ça coûte comme ça, mais c'est inutile. Tac tac tac, message privé super link, nouvelle capacité améliorée. Enfin, c'est votre niveau d'amitié avec la meuf. Ah, regardez-moi cette carte. On reçoit des demandes de renfort du monde entier. Hydra reste fidèle à la créature à 9 têtes dont elle porte le nom. Ses agents sont actifs à New York, Paris, Moscou, Singapour, Los Angeles. La liste n'en finit pas de s'allonger. Ils nous ont pris au dépourvu. On va les rappeler à l'ordre. Et comment, Tony? Les forces des Avengers sont déjà assez dispersées. Pour le moment. On a repris contact avec Banner et puis on a toujours la tour. Et c'est censé nous rassurer? On pensait que le Saint des Saints ne craignait rien et pourtant nous l'avons perdu. Désolé, Steven, mais ta petite bibliothèque métaphysique n'a rien à voir avec ma tour militarisée de pointe. Elle leur résistera. Tony, tout ce qui leur résistera, c'est ton ego. Dit le sorcier qui se prétend suprême. Vous n'avez pas bientôt fini? Pendant qu'on est occupé à s'enguirlander, Hydra en profite pour nous botter d'accord, le cul. D'accord, dans ce cas, arrêtons de nous chamailler et allons bouffer de... Ouais, non. Faisons la paix, plutôt. Les agents d'Hydra se croient tellement intelligents. Okay, imaginez si c'était okay, vrai. On aurait okay. De gros ennuis. Améliorer la cellule de crise. Les ennemis d'Hydra ont une chance d'être disponibles pour interrogatoire lorsqu'ils sont éliminés au combat. Alors, ils ont juste rajouté des bouquins. À bientôt. Enfin bref. Elle dirait se téléporte la connasse. Eh hey, alors. Lord Avers regarde Charlie d'un œil méfiant. Ce chien infernal domestique, il ne risque pas de nous mordre. Hein, j'ai vraiment pas envie de me faire attaquer par une bête enragée. Mais pas Charlie qu'il faut se méfier, c'est moi qui porte un collier après tout.
Vous croyez qu'ils se disputent aussi du côté d'Hydra? Elle est bonne, celle-ci. Si Lilith ne me tue pas, ces chamailleries s'en chargeront pour elle. C'était une conversation plutôt mouvementée entre Caretaker, le docteur et vous. Que veux-tu? Je me battrai toujours pour que la confiance règne. Hydra est peut-être sur la pente ascendante, mais celle-ci ne le mènera pas au sommet de la tour. Hydra est peut-être sur le pente ascendant, mais celle-ci ne mènera pas au sommet de la tour. Rien ne résiste à Lilith. Il ne faut pas que votre arrogance vous conduise à sous-estimer Lilith. Rien n'est inaccessible pour ma mère. C'est comme des côtés obscurs et la force. Du vôtre. Pourtant, tu commences à parler comme un attaché de presse d'Hydra. Je ne travaille pas pour vous, Tony. Je ne suis pas là pour complimenter votre bâtiment. Ouf. Si c'est comme ça que tu encourages tes troupes, je crois que tu devrais prendre quelques cours auprès de Captain America. Enfin, au moins, on a réussi à reprendre contact avec Banner. C'est un début. La tour ne me préoccupait pas vraiment, mais sa santé mentale... Ça me termine tous les artistes qui ont émergé grâce à Sam de Sauvage. Ils ont tous le même style. Ils veulent tous le copier ou c'est comment, genre. Ok, ça c'est la quête principale. Ah ouais, donc tu vois, j'ai pas le choix de faire des missions générales à côté pour faire ça. Protège le dispositif d'Hydra. Cache d'informations, crédit. Vas-y, on va prendre ça. J'ai obligé de jouer Doctor Strange. Aimez tous les ennemis avant qu'ils ne détruisent le dispositif. Quelle que soit la nature de ce dispositif. Ah ouais, j'aimais pas cette quête. En fait, c'est les moments où. Débarrassez-vous d'eux avant qu'ils ne fassent trop de dégâts. Ça me saoule les games comme ça. Ces soldats essaient de détruire le dispositif. Il y en a deux normales. Vous devez à tout prix les en empêcher. Les ennemis dotés de cet indicateur attaqueront le dispositif une fois que je retrouve venu. Ceux qui ont ça. Et moi, je dois focus les trois là. Propulsion rapide. Ah, il est où? Il est là, attends. Insatiable de richesse et de pouvoir, pâté de fraîchisme. J'avais besoin d'un petit coup de pouce. 102. C'est la cible éliminée, enchaîne sur une autre. Youpi, ça c'est l'entrave. Propulsion, c'est du rapide, donc c'est worse. Ça c'est entrave. Donc je récupère mon rapide. Impressionnant. Action remboursée. Ouh, une jolie technologie de camouflage. Techniquement, je sais pas si c'est bien. Ça, c'était quelque chose. Je me dis, 32, techniquement. Non, ça, ça, ça. Attention, j'arrive! Il y a moyen là que je le propulse. Impressionnant. Ah non, j'ai niqué mes actions. Ok, question. Enfin,
C'est tout ce dont vous êtes capable? Oh, il se croit discret. Ok. Alors, à qui l'honneur? Vous avez pioché une carte de combo héroïque du pet, les liens qui ne se nouent à la vaillée, une carte de combo, c'est pas une carte de combo, c'est ça? Oh, sans... Quoi? Bannissement, attends, j'ai un combo héroïque avec elle. 118. Vas-y, montre-moi. Vraiment, je vais le voir à l'animation. Ok, qu'est-ce qui va taper le truc après? Tac, 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 c'est E2. C'est E2. C'est E2. Que je peux faire des lui, je l'éjecte par là, lui je le tue par là, donc ça ça va, je récupère mon action, lui je l'éjecte par là, donc ça me fait deux morts into, je réduis la provoque et la provoque je la mets sur elle, pas mal je pense, parce que techniquement après j'ai un soin donc je pourrais mettre. Comme ça. Faut que je le calme, quoi. Trahi l'Hydra, hein? Laissez-moi vous montrer. Il est parti au bout. Sa propulsion. Il va quand même pas mal loin. Hein. À ce stade, la tornade, elle peut le toucher lui aussi. Hein. Égaler une force pareille. Il y a plus de vie. Évidemment, les deux là, ils vont attaquer ça. Là, je le provoque. Après, ce que je peux faire, hop. C'est faire un Spidey. Un Spidey Propulsion. Les deux prennent des coups. On dirait que c'est à moi. Il sera propulsé sur le stream, mais les deux prennent des coups. Ah, mais la provoque marche que sur ceux qui comptaient taper ça. Ok, bon, lui tape quand même elle. Dans tous les cas, ça fait 3 coups. En vrai, ça va, je vais. Tout ça. Je vais avoir un sacré bleu. Fils de pute. L'un de nos amis est en danger. Il m'a one tap. J'ai un reset en vrai, donc je vais. Il reste une vague dans la forêt ennemie. Ça suffira. Agent en approche. J'ai un reset en vrai, donc je vais le faire. Heureusement que j'ai du heal. Nous
cela va mal. J'en avais justement besoin. Si la cible éliminée enchaîne, c'est pas mal ça. Fait que je peux faire ça. Il mange tu les deux, c'est plus gore ça. Après il y en a quand même beaucoup qui m'ont tapé ça, ça qui est chiant. Il y en a deux. Spidey a 82. Après Spidey se fait attaquer par 3 personnes. Du moins le mieux c'est que je passe. Ça. Ça. Là au moins j'ai un dégât au moins. A la limite si lui il tape. Après il y a encore un renfort. Et lui il a 82. Oh, c'était génial. À moins que lui je pèse sa mère. Il me reste 2 actions. Ah j'ai dit si je fais 2 fois 35, je crois, t'es bon, non. Dans ton expérience. Lilith vous a menti et cela risque bien. Ah j'ai dit il meurt jamais mais techniquement si hein. Quoi ça, qu'on fait un blocage de 68 contre et un contre. On va se marrer. Hop un deux, hop un deux. Je connais pas grand chose en mythologie grecque, mais Worf. C'est pas censé avoir. Donc fait une réa. Hop. Vous ne croyez pas en avoir fini avec moi, 76, 80, 82, worse. Même si là, il y a d'autres... Attention, je marche très facilement. Je vais voir quand ce sera mon tour. Ah, il fait mal, quand même. Unité de soutien en montant. Là, je commence avec 4 d'action, donc là, c'est pas mal. Là, c'est un excès de soins. Ça me permet de faire des dégâts. Là, c'est une action gratuite. Wow. Propulsion. Lui, il fait mal le fait qu'il soit invisible et quand il sort d'invisibilité, il fait archi mal. Genre. Flair tout de suite. Ok, ça confère rapide, mais effectivement, c'est bon. Même pour un agent d'Hydra. Ah ouais, j'aurais dû jouer cette attaque avant, non. Vous avez de la chance d'être encore en vie. Observez bien et... Ah non, ils vont en remettre du coup les deux dernières, c'est ça. On va voir. 38. 40. Ah, j'ai un déplacement gratuit. Mais putain, l'enculé de ta mère. Je
Ouais, mais du coup, c'est vraiment tout ce dont vous êtes capable. Ça, je peux le pousser. En vrai, c'est quoi, on va dire. Une aide fortuite. On a acquis du nouveau matériel. Je vais faire des techniques d'invisibilité là, je t'ai niqué. Voilà, je prends ta gueule maintenant. Ah, ça va, je m'en suis bien sorti. Même pas 3 étoiles. Oh, la honte. La honte. Par contre, les comics et tout, c'est marrant. Genre. Ça, c'est de la déco. Avance de recherche, fin de la science, 3 sur 10. Je vais au point de rendez-vous. On va aller voir tout le monde parce que je dois parler à la 4. Hein. Allez là. Elliot Hunter. Regardez un film, s'entraîner. Hunter, ce que j'aime le plus chez toi, c'est que tu sais quand te taire. J'apprécie ta concision, plaisanter sérieux, ne rien dire. Merci pour ce silence. Je souris pas, je suis juste agréablement surpris. Elle est sérieuse, elle. Il y a écrit tenue pour la meuf. C'est quoi la tenue? C'est toujours Nico qui décide. Horrible. Plein de métal est pas mal, hein, mais. Plein de ouf. Par défaut. Ah, j'ai la couleur classique. C'est du pay to win, ça, Crédit Eclipse. Ouais, c'est venu depuis portefeuille. Ouais, c'est du pay to win, c'est pas ce que je me disais. Tic-t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 ic. Propulsion intense. En fait, j'aurais aimé avoir du rapide sur ça, ce serait pas mal, je pense. Fureur. Passer du temps qu'avec une seule personne. C'est chiant d'être Keblo la journée, genre. En fait, genre, c'est la nuit, tu peux littéralement rien faire dans le jeu. Enfin, techniquement, si, tu peux faire autre chose. Parce qu'il y a tout le délire avec Agatha machin, là, mais flemme de ouf. En fait, j'ai exploré une fois la nuit, parce que vas-y, bah, c'était la quête, mais... Après, j'ai trop la flemme, genre. Les quêtes, la vie, t'as l'impression de pouvoir rien faire. De pouvoir rien faire de ouf. C'est vraiment dommage en fait d'avoir bloqué ça la nuit, genre. Je suis plutôt satisfait du résultat. En fait, c'est. T'as l'impression de. Bienvenue. Comment ça s'appelle dans la grotte démoniaque de Tony. On pourrait croire que c'est immersif, mais t'as un peu des questions de malade, genre. Je t'en prie. Oh, il a infligé en train, ça c'est pas mal. Blesse un ennemi au restant 76 PV.
ça il me le faut, j'aime beaucoup. Après ça met de la lumière, ça qui est chiant par rapport à Will. Les deux prochaines attaques des terrains de Spider-Man ne consomment pas d'héroïsme. Plus deux de mouvement pendant ce tour. Oui. Création de capacité, Ah, une prochaine fois. Les objets de composition, plan de travail. Bien. Alors. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Plam, confère un point d'héroïsme. Donc on a 30, on a le fouet. Te casse pas trop la tête. Tu peux pas te tromper. Fureur. C'est ça que je voulais la dernière fois. Je me sens plus vigoureuse. Soin. Comme ça, maintenant j'ai deux soins spéciaux. L'amélioration arrive à point nommé. Voyons ce que ça donne. Nos ennemis sont nombreux, mais nous gagnons en puissance. Pas dégnement, le fouet, je m'en bats avec, non ? Il est temps de passer au niveau. Est-ce que j'ai de la thune ? C'est bien mieux que la salle des dangers. Au moins, je prendrai pas de dégâts quand je me ferai pousser. Bien sûr. Salut. Il se bat sur le fait que c'est mon autre fouet. Ouais, mais du coup, si j'ai fureur, l'autre fouet me sert à rien. C'est ça. Ouais, vas-y, je vais GRT. En fait, tu peux améliorer qu'une seule fois tes attaques. Enfin, ta carte. C'est dommage, ça veut dire que ça sert à rien de stacker les trucs. Genre, tu le stack deux fois, de quoi l'améliorer une fois, mais après, ça sert à rien, genre. Voilà, tu vois, tu peux l'améliorer qu'une seule fois. De 57, je passe à 97, 95. Et elle fait rien du tout, juste augmente les dégâts. Ah, je drop une capacité ténébreuse pour frappe sauvage. Frappe sacrée. Merde. Capacité de lumière. Pour faire un point d'héroïsme après une repioche. Ah, là vu que j'ai perdu. Ouais, mais du coup ça, je suis baisé. En vrai, c'est bien parce que je garde le blessé à l'ennemi ou restaure des PV. Ça, je suis content. Mais après, ça fait qu'on fait un point d'héroïsme après une repioche. Techniquement, je perds la capacité de... Ça me permet de repioche deux fois. Donc, c'est pour ça que j'aimais bien cette attaque. Propulsion, et c'est rapide. C'est pas mal, ça. Propulsion intense. Ah ouais, je vais le faire. En cas d'élimination, confrère, camouflage. 38. 38. Après, en vrai, je peux gérer le... Je peux gérer le rapide et ça me donne camouflage. Peut être pas mal le camouflage. Arrête, il faudrait que j'ai que je sois full ténèbres pour faire ça. Nouvelle capacité à améliorer. Hunter. Faire une retraite. Magic, est-ce que tu te considères russe ? Toi d'abord, à quel pays dirais-tu appartenir ?
À quel pays dirais-tu appartenir? Bah, je suis... On est aujourd'hui en Amérique, non? Ça devrait faire de moi une Américaine. T'as un numéro de sécurité sociale? Un quoi? Ou un certificat de naissance? Ça veut dire quoi? Ça veut dire évite de prendre l'avion. Hunter, tu as très bon goût. Plus 5. Let's go. C'est ça le truc avec Magic là? Modifier. Oh, j'allais le prendre du coup. C'est dans le sens d'araignée. Ah, c'est plus 2 de mouvement pendant ce tour. Ce qui est pas mal, c'est que tu l'utilises, tu gagnes plus 2 d'héroïsme. Mais ça réduit du coup ton héroïsme. Donc en vrai, pour les autres, c'est bénef. Et tu gagnes 2 de mouvement. Est-ce que c'est genre 2 de mouvement, genre mouvement en déplacement, ou est-ce que c'est mouvement, 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 hein? Si c'est mouvement en déplacement, c'est worse, hein, ça permet de pousser un peu tout le monde et tu fais ta life. Bonjour, oui. Tu vois ce que je veux dire? Si c'est que... Attends ici, ma grande. Merde, faut lui caresser. T'es le meilleur des chiens, tu le sais ça, hein? Il est vraiment moche. Améliorer la cellule, on est toujours à 9 sur 11, donc ça sert à rien. Ah oui, c'était la quête. Et je faisais un truc pour... Oh, Captain America! Et je faisais une vieille quête à la con pour vous montrer, pour faire ça, mais j'ai vraiment fallu. En fait, je trouve ce jeu, il est compliqué à streamer. Là. En fait, enfin. Je suis plus moi-même. À faire en vidéo. Je pense que streamer. Il est faisable parce que tu fais que des combats et puis voilà, tu fais des choses. Tu es l'un des génies scientifiques les plus brillants de cette planète. En vidéo, c'est complexe. Et il est temps de partager une fraction de votre savoir, Docteur Banner. Quand nous ferez-vous part de vos conclusions? Ouais, l'histoire, au début, elle avait l'air intéressante, mais là, elle commence à me glaner, genre. Perte d'alimentation. Sur les réacteurs Arc 1 et 3. On se prépare à... Grille défensive hors service. C'est Lilith. Impossible, voilà, même pour elle. Ok. Improbable. Hélicoptère d'Hydra en approche. On est complètement submergé. Missile Signo. Non. Bruce, reste calme. Je suis calme. Je suis toujours calme. Bruce ! Réessayez de le contacter. Je pourrais peut-être relancer le système une fois à proximité de la tour. Qu'est-ce que t'en dis, Junior ? Tu crois que tu pourrais couvrir mes arrières si jamais Maman Démon débarquait ? Sans problème. Ok, bah de toute façon on a pas trop le choix. Hein. Oui, ok, on part à deux, il en manque un. Ah mais moi Iron Man il pue du cul, je l'ai même pas monté, rien du tout. Il va peut-être falloir faire un peu de ménage avant. Il a même pas l'attaque. Tir laser, que 12, repêche. Donc ses propulsions, repioche pour ajouter intense. Lui il tire et après quand tu... rapide, tu repioches pour ajouter propulsion. Ok, lui t'as toujours des, en fait dès que tu fais une attaque tu t'en as une autre instant. Inflige marque x2 et vulnérabilité, frappe chirurgicale.
Ça c'est bien, mais une fois que t'as le plus de cartes Iron Man en main, genre. Bon, c'est trop de la merde. En fait, tu peux mettre des. Pff, voilà, je sais pas. On va se démerder. Hein. Nous allons vous déposer juste à l'extérieur de la zone de combat. Un soupçon de prudence ne peut pas faire de mal. Mais pas trop loin non plus. Ok. Capable de voler. Tony, c'est toi. Tout le périmètre défensif est compromis. Tu ferais mieux de descendre rapidement, mais il restera pas grand chose à sauver. Je prends un peu d'avance. Pardon pour le retard. Mes capteurs ont confondu ta signature énergétique avec celle d'une volée de pigeons radioactifs. Un jour normal à New York. Ouais, pas sûr que Hopo soit l'interdiction appropriée pour ça. Captain. Le docteur n'avait pas dit que vos défenses étaient HS? Elles le sont. Mais je n'en dirai pas autant de nos défenseurs. Nuance. Wouh. Franchement, je... Le meilleur lanceur du monde. Le mec lance son boubou, il sait exactement où est-ce qu'il va arriver. Regarde, son boubou il fait des ricochets. Lui. Salut, je m'appelle Steve. Ok, non, faut juste dire Captain America, tu dis pas Steve en fait. Après, en fait je te... Bagarre sur le toit. C'est gentil de passer nous voir. Sa voix elle est bizarre, j'ai l'impression que c'est la voix dans, comme dans le MCU en même temps, non genre. Il met tous les ennemis pour mettre fin à l'affrontement. Je sais pas si on aura banner, si on a banner, incroyable. Ça ne vous sauvera pas. Alors, coup de poing, propulsion, provocation. Les hélicoptères d'IRA tirent des roquettes sur les héros. Ok, ouais, faut se dépasser. Je suis ravi de voir que vous faites connaissance. Mais rapide, si vous pouviez vous concentrer sur la soldat d'IRA, ce serait super. J'essaie de rétablir le défense, mais en attendant, il va falloir vous débrouiller seul. Il n'y a vraiment pas un truc pour... arranger ça parce que. Afficher les sous-titres, ça je m'en bats avec. Mais... À force j'en c'est ai marre. C'est pas vraiment le moment de jouer au plus malin. C'était qu'une suggestion. Alors, qu'est-ce que je disais du coup propulsion, provocation. En vrai, provoque c'est bien, mais il faut là la ville. Oh, okay. Là la ville, là, putain. Il est farm. Et j'ai provocation. Provocation. J'ai rapide. Propulsion, provocation. Rapide. Confère vulnérabilité. Faudrait que je le bute. Votre loyauté envers la mère des démons vous perdra. En fait, c'est moi qui prends vulnérabilité. Ça, c'est un peu chiant. Rapide. Ou alors, je prends une propulsion. En fait, si je fais une propulsion. Ah, quoi que je le touche pas en vrai, donc pas voir ça. Oh, j'aurais pu faire un petit bouclier, hein, vraiment. N'arrive pas à les semer. Provoque, c'est une provoquée pour l'ennemi en question. Je sais que c'était pas votre bonne secrète. Ok, c'est que pour lui. Bastien. Trahi l'hydra, hein? Elle est où la repioche là?
techniquement, lui, je peux le tuer en le poussant vers là. Ça fait un ennemi en moins. Aucun ennemi ne peut égaler. En fait, ce qui serait bien, c'est que tu sais, tu dois toujours avoir un complet de, vas-y, on va dire, allez, 6 à 10 cartes, comme dans pas mal de gacha games. Ce qui fait que ça t'oblige tout le temps à. Ça t'oblige tout le temps à. Enfin, t'as toujours une relance de cartes, tu vois. En plus de là, la repioche qui te permet de piocher, etc. Là, il y a deux personnes collées. Là. Putain. Déteste. Il va me retirer combien lui? 50? Oh, en plus il met de la vulné, wesh. Oh, il va m'enculer. Il se met en fufu, s'il tape. S'il tape Iron Man après ça, il va m'enculer. Vous allez me le payer. Je me fais soulever là. Et en plus j'ai les renforts. Oh, c'est mort gros. Frénésie. Bah oui, merci à tous. Iron Man a pas de dégâts, genre je suis baisé. Et la sécurité. Après que j'ai joué 3 cartes, techniquement j'ai pas le choix de le taper. Franchement, j'éviterais de me vanter si j'étais toi, Tony. Préviens-moi quand Banner Industries lancera son nouveau modèle, que je vois si tu fais mieux. Blesse et inflige provocation à tous les ennemis présents dans une zone. Ah, ça fait des ricochets partout. Ok. C'est moi que j'ai un rapide. 3, 4. Lui, il est invisible, c'est ça qui me fait chier. Il provoque, lui il est sorti d'affaire, donc c'est worse. Ouais, je... Il me reste 58. Il n'y a personne qui va taper Hunter. Sauf lui. Même pour un agent. Toujours de dedans là. Dis-moi que j'ai un déplacement, c'est pas possible. Cela me sera d'une grande aide. J'ai même pas pris la guérison. Est-ce que c'est bon pour vous? Ah, dommage.
Ah, je peux pas le toucher techniquement. Ouais, je peux pas le toucher. Pourquoi une repioche? Le plus worst, c'est de mettre une repioche sur ça, genre. Il est pas mort. Après il meurt pas. Mais lui il meurt à 100%. Frère. Oh j'ai. Ah ouais, parce qu'il est invisible. Oh, ce que je peux faire, c'est... sauter, c'est sa capacité à elle et pas à lui. Oh, il y a un mec là-bas. Je me fais baiser s'il va là. Donc là j'ai perdu mon healer, mais après j'avais pas de sort heal, donc ça tombe bien. Lui il va prendre Bagdad dans la... En fait ils sont chiants les snipers quand ils se mettent invisibles, ils font trop mal. Vous avez eu votre chance. Et en plus là il y a des renforts. Ouais mais c'est le bas de plan genre. Quand j'ai vu que j'étais obligé d'avoir Iron Man, je me suis dit oh là 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 là, la défaite que je vais me prendre dans la gueule. L'alimentation a été rétablie, je devrais pouvoir réactiver le... Hein? Quoi? Pourquoi c'est branché ça? Mais, c'est vraiment pas le moment que je veux vous parler. Ça fait du bien. Pour faire blocage, en vrai c'est propre, hein, je me mets débloqué. Wow, j'ai tout le monde là. C'est parti. Typique d'Hydra. Finissons-en. Ned qui tombe à pic. Ah, j'ai tout plus 3. Ah, moi, le mieux, c'est de me prendre une petite réa. Me voilà de retour. Il va jamais prendre. Là, lui, il est mort, il se prend l'attaque, c'est sûr et certain. Se mettant en foufu. Voilà, arrête, techniquement, là, il pourra pas taper. Hein. Parce qu'il a pas fait son truc d'invulnérabilité. Après, il y a moyen qu'il tape lui à la place. Je vais faire une autre gauche.
Ah ok, non, c'est quand tu joues. Enfin, si tu veux avoir une autre technique, t'es obligé de repiocher la même attaque. Oh le seum. J'espère que c'est y a plus de renforts. Ok, j'aurais aimé que l'autre. Ok, il met sa vulnée, donc techniquement là il perd son fichier. Ah, il peut faire les deux en même temps. Ok, d'accord. Les réacteurs fonctionnent à nouveau. Enelis. Les capteurs internes se recalibrent. On y est presque. Il faut seulement tenir encore un peu. Compris. Le diable est dans les détails. Je trouve que le diable est partout en ce moment. Je sens qu'on va bien s'entendre tous les deux. Tant, 102, tac. Vous avez eu une chance de vous enfuir. Continuez pour les coups. Vous avez de la chance d'être encore en vie. Easy two. Voilà, j'ai en cas de soins excessifs, pioche de cartes. C'est pas logique. Bah, juste alors tout à l'heure, j'avais pas ça, mais bon, bref, c'est bizarre. J'ai maintenant l'avantage. Ah non, c'est ça, ok. Ah ouais, rien à voir en fait, j'ai toujours le truc du coup. Cible en mouvement, confirmation. J'en ai deux. J'en ai quatre même. En charge. J'espère que vous avez retenu la. Let's go. Vite, au sommet de la tour. J'ai eu de la chance envers la fin. Qu'est-ce que c'était relou. Qu'est-ce moins, que c'était relou. Vous n'avez pas les listes de qui sont du bleu. Et leur attachement à la nullité totale. Je suis totale. Baisé, on sortira peut-être de cet enfer en un seul morceau. Ça, tu parles beaucoup. Ne dis jamais ça. Tu n'as jamais entendu parler de la loi de Murphy. État critique du réacteur Arc 1. Extraction initiée. Attendez, c'est quoi un code préfixe? La protection ultime. Par chance, la seule personne au monde qui connaît ce code est avec vous. H majuscule U L K. Tony, ne me dis pas que ton super code secret c'est Hulk écrase. Ne sois pas ridicule. C'est Hulk écrase 1, 2, 3, 4. Transmission en cours. Je voulais jouer la blague, je voulais. Ouf! Boum! Oh, mais quoi, il est trop beau. Attends, le mec est juste à côté des gardes d'écran, on l'a pas vu tirer. Non! Ah, on doit refaire un fight? C'est moi qui ai tout le temps le suivi. C'est un peu chiant. En fait, j'ai la pire équipe, genre. Enfin, la pire équipe. Il y a un membre qui. Il est pas à sa place. En plus, j'ai pas trouvé de la. L'explosion a court-circuité la moitié de nos systèmes. Je suis heureux de l'apprendre. Je ne suis pas sûr de pouvoir empêcher la surcharge du réacteur. Ça suffit, Romlo. Allons-y. Ah,
qualifications pour être un officier d'Hydra. C'est bon, j'ai capté. Je pensais qu'il suffisait d'avoir le sang chaud, mais je crois que l'élite a résolu le problème. L'attaque visant crossbone le poussera à brandir son bouclier Hydra, ce qui comptera un blocage venu jusqu'à la fin du tour. Oh, c'est pas trop chiant. Ouais, je devais être plus vite. Il va en falloir plus que ça. Ok. Ça va être chiant. Je suis payé à la tâche. Je pense pas que je vais y arriver. Alors on se dépêche. Si j'ai des risettes encore, pourquoi pas, mais si j'ai plus de risettes, c'est impossible, j'y arrive. Quelle détermination. Ah, il joue deux fois. Et il met plusieurs bombes. Enfin, il met des bombes. La ténacité est une qualité que j'admire énormément. Et dire, il y aura une bombe là, il y aura une autre bombe. Vous allez le regretter. En vrai, c'est voir s'il reste ici, ils prennent les dégâts. Oh putain, enculé. Ils sont presque là, tenez la position. Ah, qui défile à chaque action. Comme ça, votre sauveur légendaire. Moi qui croyais que t'étais l'enfant. Et là, de l'élite. Là, faudrait que je me bouge. Faites qu'un avorton. Approche, mercenaire. Je vais te montrer de quel bois je me chauffe. Ok, alors attends. Attends. Si je me déplace, bam, je le shot ici. Jusqu'à là, je touche lui. Donc là, je suis war. Techniquement, les deux sont morts. Lui, je le déplace. S'il arrive à déplacer Crossbone et que le met vers là, ce qui serait war, c'est que ça pète sur sa vie. Si ça lui explose dessus, je suis gagnant. J'espère qu'il atterrit là. S'il atterrit là, c'est incroyable. Ça pète pas? Fureur. Oh, je peux même pas lui appliquer Fureur. Enchaîne x4. Offert plus 9 d'attaque à tous les héros. Rapide. J'ai quoi comme. J'ai pas de déplacement. Là, il va mourir. Il va mourir. À moins que je fasse ça. Mécanonie, ça me sauve. Dans tous les cas, il prend 14.
Là, il lui reste 14. Si je lui mets 19 dans la gueule, il meurt. Le problème, c'est mon positionnement, après je suis baisé. À moins que là je lui mets 72. Non, je vais lui mettre ça. Ça va péter sur lui là. Et rapide. En rapide, ça me met là, là. Oh, je sais. Y'a pas un objet là à jeter? Ah, j'ai peut-être int. En fait, je pensais pas que rapide ça m'aurait amené là. Dommage d'être forcé d'avoir une cible ici. Ah ouais, rapide, pire. C'est vraiment tout ce dont vous êtes capable. Ah lui il meurt pas, donc ça c'est worse, mais lui va taper lui. Sans trop dans la gueule. Ah là il va se relever techniquement. C'était la première fois qu'il tombe au sol. Donc avec un peu de chance, il tape pas. Heureusement, il attaque toujours les héros ayant le moins de PV. Bon, ok, j'ai eu de la chance. On ne t'entend plus. Désolé. Mais je suis un peu occupé. Confère 6 points d'héroïsme. Peut-être que si vous pouviez empêcher qu'une pluie de missiles s'abatte sur le bâtiment, je pourrais stabiliser le réacteur qui menace d'exploser. Eh ben, quel seul caractère. Là, il faut que j'ai une attaque de lui. Voilà. Sentez les bienfaits de la lumière. Ils ne s'attendent sûrement pas à ça. Quand je reçois 15 fois le même message, j'ai capté que c'est expédié. Ok, je le maîtrise 4 fois, c'est pas mal. Tac. Techniquement là il est dans l'explosion là non? Il est dans l'explosion. Enfin là légèrement plus. Arrête, il gagne un bout. Là ce qui me sauve c'est que ce trou de balle il reste dans l'explosion. Après je pense que c'est fait exprès hein, de façon à ce qu'on puisse jouer dedans et expulser les ennemis. De toute façon à partir du moment où il y a un délire de propulsion, je pense qu'il y a tout un délire de placement avec les personnages et tout. Faut jouer avec les placements, les trucs du genre et tout, c'est clairement fait exprès. Hein. Si c'est pas fait exprès, bah ils ont réussi un banger. Sans pour couvrir vos frais d'hospitalisation. Ok, je peux passer mon tour, l'autre dans tous les cas. Trop de bonnet mort. On a réussi. Fin de la quête. Ok, nice. Votre bande de post-scouts a bien failli m'inquiéter. J'ai cru que j'aurais pas l'occasion de tester ça. Ouais, mais c'est ça aussi, écoutez. Ça, c'est le truc qui m'énerve avec les lentilles. Genre, oh, vas-y, venez regarder, fume-le. Oh oui, tout va très bien. Tony. Pourquoi je détecte une explosion gamma à l'intérieur de la tour? T'en fais pas, ça fait partie du plan. Bruce, bon sang, c'était quoi tout ce bordel? Quelque chose de bien pire que le diable, boîte de conserve. Ça c'est faux, hein. Les gens sont tous en haut. Lilith,
c'est bien ce que je vous avais dit. La mère de la nuit te remercie pour cet accélérateur gamma. Nous n'aurions rien pu faire sans toi, Tony. J'ai raté un... Il n'est plus des nôtres. Il a succombé à la corruption de ma mère. Ouais, c'est devenu tendance récemment. Le mec saute, je sais pas si vous voyez ma souris, mais le mec saute pour aller en bas. L'hélico est en bas et il monte, techniquement il se prend le coup. Là où il te parlait, il met un putain de coup de rayon, merci, il est foutu. Tu cherches encore à jouer les héros, Tony. Eh bien, saisis ta chance. Sauve le monde. Descends-moi. Oh, vas-y, baisse ta mère. Comme c'est décevant. Wow. Pardon, mais il a bu Tony. Là, il est but, on a gagné, ouais. Là, il le but, on a 1000 points gagnés. Non, faut que ce soit un trou de pâle, genre. Alors, gain d'éclat, moins 20, héros éliminé 2. C'est dû. Oh, bougez vos têtes, là. Tony, je ne sais pas quoi dire. Alors ne dis rien, parce que je tiens pas à en parler. Tony, qui n'a rien à dire. C'est une meuf, elle est pour rien. Ça s'est déjà produit et ce n'est jamais bon signe. Il est vraiment bouleversé. En vrai, on va drop Captain America, c'est pas mal. Ça me permettrait d'avoir un boubou. Et get, je fais que utiliser les ténèbres. Ils viennent de me donner un point en bien, genre. Parle à Steve Rogers, parlez à Tony. En vrai, on va parler aux deux et puis on va s'arrêter. Il est où? Il est dehors? Soyons... Steve Rogers. Il faut qu'on parle. Vous avez raison. Et si on parlait de la fois où votre mère a retourné un de mes meilleurs amis contre nous? Ce qui arrive à Banner n'est pas de votre faute. Je regrette pour votre ami. Votre colère est légitime, tirez en parti. La colère que vous ressentez est une bonne chose. Gardez-la pour le prochain combat. Elle vous sera utile. Avec l'expérience, j'ai compris qu'il valait mieux garder la tête froide. Vous n'avez jamais combattu quelqu'un comme Lilith auparavant. Garder la tête froide ne suffira pas. Pour réussir, notre détermination doit être. Mais c'est dommage, parce que du coup, là, il parle de toute une histoire qui s'est passée avant et il n'y a pas eu de avant. Et croyez-moi, c'est l'homme le plus énervé que je connaisse. Écoutez, je sais que ce qui est arrivé à Bruce n'est pas de votre faute. Mais... Mais je serais idiot de vous faire totalement confiance. Vous êtes l'enfant de Lilith. Votre mère pourrait vous transformer comme elle l'a fait pour Bruce. Et si c'était déjà le cas? Si c'était le cas, vous auriez déjà tous quitté ce monde depuis bien longtemps. Vous avez probablement raison, mais c'est justement ça le problème. Je ne sais plus. Ça dépasse tout ce que j'ai pu combattre auparavant. Ces gens me considèrent comme un guide, mais j'ai l'impression de tâtonner dans le noir. Vous vous inquiétez trop. C'est donc peur d'accomplir votre destin, soldat. Au contraire, je ne m'inquiète pas assez. Si j'avais fait plus attention, j'aurais sûrement pu comprendre ce qui n'allait pas chez Bruce. J'aurais pu le sauver. Si vous voulez sauver le monde, concentrez-vous sur l'ennemi plutôt que sur ceux qui sont tombés. C'est un peu expéditif, non ? Revenez me voir lorsque vous aurez perdu quelqu'un d'autre. Un autre être cher à vos yeux. J'honorerai son sacrifice en réduisant ma mère à néant. Oh. Vous savez, je crois que je me suis trompé sur votre compte, Hunter. Je suis la fille de la mère de la nuit. Vous avez toutes les raisons d'être méfiant. Peut-être,
Mais en vérité, j'étais en colère à cause de Bruce et je me suis passé les nerfs sur vous. Attends, il s'énerve alors que je viens lui dire, reviens me voir quand du coup tu perdras encore un proche. Bonjour, je suis Steve Rogers. Et si on apprenait à mieux se connaître? Après, je connais déjà... Je suis contente d'avoir pu parler avec vous, Steve Rogers. Moi aussi, Hunter. Vous ne vous débrouillez pas si mal pour diriger. J'ai l'impression que je pourrais tenir 12 rounds de plus. Rien ne vaut le présent. C'est tard. Je pourrais faire ça toute la journée, ta gueule. Ça sert à rien de discuter du geste de Tony pendant 10 ans, ce qui est fait. Maintenant, putain, Hulk. Et dire que je croyais qu'on était déjà dans la merde. Maintenant que Banner est prêt à jouer les savants fous, j'ose pas imaginer ce qu'il va faire à Wanda. Je préfère autant pas y penser. Je veux juste qu'elle rentre à la maison. Invitation à l'assemblée des émos, qu'est-ce que j'en ai à foutre. Je te l'ai déjà dit, je ne tiens pas à en parler. Fermez les yeux n'y changera rien. Banner nous a trahis et la tour est tombée. Lilith a remporté cette bataille. On s'est toujours inquiété des dégâts que risquait de faire Hulk. On s'est réjoui en silence quand on a cru qu'il avait disparu. On n'imaginait pas ce dont Banner était aussi capable s'il déraillait. J'aurais dû m'y attendre. Ce n'est pas en culpabilisant que tu récupéreras ta tour. Je sais de quoi je parle. J'ai été à ta place. Moi aussi, j'ai passé un nombre incalculable d'heures à me reprocher d'avoir perdu le Saint des Saints, ainsi que Wanda. Eh ben, t'es vite passé à autre chose, on dirait. Je ne suis pas du genre à accepter l'échec aussi facilement. Je sais que tu es en colère. Mais si tu souhaites te défouler, fais-le sur le punching ball de la cour, et non sur moi. C'est tout toi, ça. Au moindre problème, tu jettes l'éponge. Si quelqu'un s'énerve ici, c'est toi. Tu serais gentil d'aller régler le problème ailleurs. Têtes, ça suffit. Deux grosses têtes et deux chefs. La perte de sa tour risque d'énormément... C'est vraiment un enculé s'il s'est barré. J'aimerais pouvoir le réconforter. Il s'est barré. Je suis venu ici pour rien. Non, laisse-moi. Elle est relou, elle persiste, hein. Si l'un des Midnight Suns se change. Laisse-moi deviner. Tu viens pour me dire que j'ai merdé parce que j'aurais dû descendre Banner lorsque j'en avais l'occasion. Vas-y, Hunter, qu'est-ce que t'attends? Dis-le, dis-moi que j'ai merdé. Bah, si t'en veux que je te le dise. Oui, vous avez échoué, Tony. Vous auriez dû tuer Banner lorsque vous en aviez l'occasion. Mais vous avez laissé vos émotions obscurcir votre jugement. Je sais. J'ai déconné. Je crois que lui et moi, on est pas potes, hein. Je fais que de perdre l'amitié avec lui. J'ai simplement pas la force de le tuer. C'était dommage que tu peux pas être en dessous de l'amitié, genre, tu sais, avec des moins. Bon sang. Pourquoi et vous faire abonner, tu sais, ils veulent même plus parler ou les bails du genre. Techniquement, là, avec lui, je stagne juste à zéro. Genre, en fait, si je suis pas dans le positif, avec lui, je stagne. Moi, j'ai décidé de rien voir. Quel incroyable génie je fais. J'ai 3 masters, un doctorat du MIT, je dirige l'une des plus grandes entreprises de la planète et j'ai pas été foutu de voir ce qui se passait juste sous mes yeux. Comment j'ai pu le laisser me berner comme ça? Votre propre fierté intellectuelle lui a permis de vous duper. Ma fierté intellectuelle? Mais où est-ce que tu veux en venir? Lilith a utilisé votre arrogance contre vous. Mon arrogance? Comment oses-tu? J'ose parce qu'il le faut. Nous n'avons plus le contrôle, Tony. Personne n'est en sécurité. Aucune forteresse n'est impénétrable. Plus maintenant. Ma mère est en train de galvaniser les forces d'Hydra. Plus rien n'est hors de son atteinte. Tu sais, ce petit discours d'encouragement ne fonctionne pas avec moi. Alors je vais vous laisser. Ouais, fais donc ça, chef. Laisse-moi. Eh bien, vous savez ce il que me j'en déteste. Oui, Sarah, mais tout le monde... Je suis à combien là, techniquement? Je suis. Ouais, je suis qu'à 3 sur 12. Peut-être qu'il faut 200. C'est abusé. On m'a toujours dit qu'il fallait. Lilith peut frapper n'importe où, même dans le bastion des Avengers. Mais ils ont peur de Lilith, hein, c'est terrible. Genre, c'est vraiment leur...
Hashtag qui va venger les Avengers. C'est vraiment leur faire le buzz sur les réseaux sociaux. Mademoiselle Lilith. Les Midnight Suns, qui d'autre? Les plus grands héros de la Terre sont à la rue. Le Daily Bugle a fait dans le politiquement correct pour une fois. Bon, je peux pas lui parler, ça. Ma quête, elle va se fade avec elle. Hein. Un rêve? Ah ouais, ça fait longtemps. Oh pauvre petite chose, je sens les tourments qui t'agitent. Je suis peinée que tu m'en veuilles autant. Tout comme je le suis d'avoir perdu un ami cher. Bruce sera heureux de l'apprendre. Ton amitié lui est précieuse aussi. Tu ne m'as pas comprise. Je n'ai pas voulu dire qu'il me manquait, mais que je le pleurais. Encore une âme piégée dans tes maudits filets. D'autres mensonges que ça. Est-ce que du coup, si je succombe à l'obscurité, elle va manipuler à la fin? Je n'ai pas asservi le docteur Banner. Je l'ai libéré. Libéré des entraves de ceux qui ont tenté de le contrôler pendant toute son existence. Un esprit aussi exceptionnel. Une âme si. Ça aurait été sympa de pouvoir avoir. Tenu en échec par ceux qui. D'autres équipements, tu vois. C'est vraiment un RPG. Pour je moi, ne peux m'empêcher de constater toutes vos avec un changement de stuff, les badges et tout, du loot. Ne me laisseras-tu pas t'aider à en faire de même? À trouver un véritable but? À connaître la paix? Je ne suis pas une marée de mon véritable but, tu t'anéantis. Tu ne me contrôleras jamais. Tu ne m'écoutes donc pas? C'est tout l'inverse de ce que je désire. Le moment venu, tu te tiendras à mes côtés. De ta propre volonté. Il ne saurait en être autrement. Et dire que je croyais que c'était moi qui délirais. Tu as dormi bien trop longtemps, mon enfant. Perce le voile de leur prophétie factice et... réveille-toi. Ok. Je ne m'y ferai jamais. Ok.